Là où je vous parle, je suis dans la parcelle, dans la cour de ma tante Adjangui Romaine, que je vous ai parlé de sa maison, pour vous montrer qu'il y a des maisons qui sont plus belles que celles que Komilog nous a construites. Vous allez voir qu'une personne Bonjour. Ouais, comment qui ça va? a une maison comme celle-là, dans une clôture, auquel là où le carreau commence, de la terrasse, une maison de deux terrasses, un salon, quatre chambres et une cuisine. La chambre des parents avec douche et WC à l'intérieur. Là-dedans, il y a aussi une douche des enfants et un WC des enfants. Qui a une maison comme ça là. Et quand on lui donne une maison, qu'on trouve les carreaux tout juste. Tout juste dans la cuisine, à la douche et un peu à la terrasse. Est-ce que vous êtes chez vous à sa place? Vous allez accepter de prendre une maison comme ça? Là, elle a une maison de 12 mètres sur 10. Alors, et qu'on lui donne une maison qui fait peut-être 7 mètres sur 4, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment match. Bon, je vais m'arrêter tout juste un peu à la cuisine et au salon, parce que je ne vais pas rentrer comme ce que nous avons permis à Comilo de rentrer dans notre intimité. Moi aussi, je ne vais pas rentrer dans l'intimité de son locataire. Voilà pourquoi je vais m'arrêter tout juste au salon, à la cuisine et, si possible, au couloir, pour ne pas rentrer dans les chambres. Vous voyez, là, je suis à la terrasse de la cuisine. Vous voyez comment elle est carrelée? Vous voyez comment elle est carrelée? Et là, je suis en train de rentrer déjà dans la cuisine. Regardez comment elle est meublée, cette cuisine-là. Est-ce que... Est-ce que là-bas, elle aurait une cuisine qui a cette superficie et pourtant nous les avons autorisés de rentrer, de filmer toutes les chambres et toutes les dimensions des maisons et en fait de nous reproduire la même chose. Aujourd'hui, Comilog n'a pas respecté cela. Comme vous voyez, regardez la grandeur de sa cuisine. Ça n'a rien à voir, ça n'y a même pas match avec la cuisine de la maison que Comilog veut lui donner. Et là, regardez comment est son salon. Vous voyez comment est son salon? Le salon est tellement grand. Voilà. Vous voyez? Le salon est tellement grand que malgré tout ce que le locataire a pu placer dans la maison, il y a encore de l'espace. Les enfants peuvent circuler librement. Est-ce que là-bas, à Ekaï, il y a des grands salons comme ça, il y a un salon qui vaut celui-là. Regardez comment il est carrelé. Regardez le sol. Regardez. Et regardez le couloir. Regardez le couloir. Vous voyez? Et dans les chambres, il y a même des placards. Mais je ne peux pas rentrer dans l'intimité de notre locataire. Donc c'est tout juste pour vous montrer qu'il y a des belles maisons. Il y a des maisons en dur et bien faites et clôturées dans le quartier Lehima. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que les maisons Tolawo Tolamba qu'on est allé vous montrer. Donc, vous, à notre place, vous avez une maison comme celle-là. On va vous donner une maison qui a peut-être deux ou trois chambres, pareil que celui qui a la maison Tolawo Tolamba. Et le confort est le même. Est-ce que vous serez content? C'est que nous voulons que Comilog nous remet, au moins à ceux-là, Comilog nous remet au moins nos maisons
telles qu'avec les mêmes grandeurs et avec les mêmes cours. Et c'est ce que, comme Job, n'a pas pu faire. Merci.